Bonjour, je m'appelle Nicole Galland, je suis professeure-chercheur titulaire à l'INRS. L'INRS, c'est une université du Québec qui donne des programmes de maîtrise et de doctorat en recherche. Alors moi, j'ai fait une formation en sciences politiques et dans la vie, ce que je fais au quotidien comme projet de recherche, ça relève de ce qu'on appelle de la sociologie politique. J'ai deux grands champs sur lesquels je travaille. Le premier, c'est le rapport des jeunes aux politiques et le deuxième, c'est les représentations de la nation et de l'intégration des immigrants à l'intérieur de la nation. Alors, un échantillon qualitatif, c'est un échantillon qui rassemble un petit ensemble de participants, mais qui nous permet d'aller en profondeur dans les processus qui agissent dans leur vie, d'aller vraiment dans la richesse des parcours individuels. Ça nous permet aussi d'étudier des questions qui sont difficiles à appréhender avec des sondages ou qui sont nouvelles et qu'on veut explorer en profondeur avant éventuellement de faire des sondages. En sciences politiques, il y a beaucoup de recherches qui se font par sondage et les échantillons qualitatifs permettent de faire autre chose, de très différent en fait. Par exemple, dans un de mes projets sur l'engagement politique des jeunes, je voulais voir un peu, il y a beaucoup de discours sur mais les jeunes aujourd'hui ils sont pas engagés ou ils participent pas et en réalité c'est beaucoup axé sur la façon dont on mesure la participation politique des jeunes dans les sondages. C'est le vote, c'est participer à des associations formelles, ce genre de choses. Et moi ce que je voulais voir c'est tout ce qui se fait à côté de ça, mais qui est très difficile à appréhender avec des questions fermées. Un échantillon comme celui-là, par contre, ne permet pas de dire c'est quoi les grands enjeux qui intéressent les jeunes, parce qu'on ne peut pas, à partir de là, dire les jeunes pensent ceci ou les jeunes pensent cela. J'ai seulement une vingtaine de jeunes. Et donc, ce que ça me permet de faire, c'est un échantillon qualitatif, ce qu'on veut faire, ça n'est pas projeter ou généraliser sur l'ensemble de la population, c'est de comprendre des diversités à l'intérieur d'un groupe qu'on a défini. Et donc de pouvoir dire parmi les jeunes qui s'engagent, il y a ces enjeux-là qui les intéressent, etc. Mais mon échantillon, il est construit non pas pour représenter l'ensemble des jeunes en miniature, mais pour aller chercher une diversité de jeunes qui sont différents selon divers paramètres. Que ce soit des jeunes, par exemple, j'en avais qui étaient engagés par l'art et d'autres qui étaient engagés à l'école ou au cégep dans des associations étudiantes, par exemple. Et l'objectif d'un bon échantillon qualitatif, c'est d'aller chercher cette représentativité-là d'une diversité de situations. Et donc, au fur et à mesure, quand on commence à rencontrer des gens et que ça commence à se répéter, il faut s'arrêter et se dire d'accord, qui est-ce qui me manque dans mon échantillon? Quel genre de personne pourrait être différent et m'apporter des contenus différents? Et c'est ça qu'un échantillon qualitatif de qualité va permettre de faire. Alors pour moi, quelqu'un qui étudie au cégep en sciences humaines et qui voudrait poursuivre à l'université, il me semble, doit développer son intérêt pour la société. Et ça, ça peut se faire de différentes manières. La première et la principale, c'est de lire. Ça veut dire lire des romans, ça veut dire lire des journaux, s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, s'intéresser au monde, aux émotions que les gens vivent. Et en parallèle de ça, la lecture, notamment la lecture des romans, va vous aider à développer une autre compétence qui est super importante en sciences sociales, qui est la capacité à écrire. Écrire pour quelqu'un en sciences sociales, c'est aussi important que de manier un marteau ou une scie pour quelqu'un qui est en construction. C'est vraiment notre outil principal pour communiquer nos réflexions sur la société et donc c'est vraiment très important. Et sinon, s'intéresser à la société, c'est quelque chose qui se fait dans votre quotidien, quand vous êtes au café et que vous attendez votre cappuccino. Ça peut être, au lieu de penser juste à votre examen qui s'en vient, c'est aussi d'écouter les conversations autour de vous, d'écouter les gens parler et ainsi développer votre intérêt pour les gens qui vous entourent et ce qui va vous aider plus tard à comprendre toutes les théorisations qui se font là-dessus à l'université en sciences humaines et sociales.